dans l'avant-match, c'est son nom et son visage qui reviennent. Salut à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à Marseille, au Stade Vélodrome. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et tout de suite, on se retrouve pour ce huitième de finale retour dans la compétition, l'Olympique de Marseille face à l'Inter Milan. Le succès à l'aller offre un petit plus de sérénité aux Marseillais. Mais attention, jouer relâché, ça ne veut pas dire déconcentré. Attaque parfaite et en prime, le ballon est récupéré. Attention, peut-être un but là. Magnifique intervention. Romelu Lukaku. Ouh, la faute là, et surtout dans cette position, ça peut coûter très cher. Et oui. Salut tout le monde, nous sommes installés dans les magnifiques tribunes du Stade Vélodrome de Marseille. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune, Benjamin Da Silva, et c'est donc lui le moins jeune, Omar Da Fonseca. Et on se retrouve tout de suite pour ce match retour, comptant pour les huitièmes de finale dans cette compétition, l'Olympique de Marseille face à l'Inter Milan. Les Marseillais ont une bonne occasion de conclure ce qu'ils ont commencé à l'aller. Pour ça, il ne faut pas perdre l'envie de se dépasser. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Aymeric Laporte avec Mats Hummels en défense centrale. Ruben Neves sera accompagné de Thomas Partey au milieu de terrain. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Diogo Jota. Ballon sur Diogo Jota. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Mais quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. On l'a bien joué, oui. Vous avez vu ça? Oh, l'arrêt, mais c'était pas fini. Attention, très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Klaus reçoit le ballon. Florian Wirtz avec le ballon. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Le ballon en touche. Intervention pour stopper l'attaque. Et non, ballon perdu. Florian Wirtz avec le ballon. Ah, le porteur est sous pression. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Allez, c'est bien lui, sa bonne interception. Lukaku. Réception de Çalhanoğlu. Ouais, bon tacle, ce ballon est récupéré. Allez, le ballon pour Thomas Partey. Allez, l'intervention risquée, mais le tacle est parfait. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Le ballon est joué court vers Lukaku. Ah, et donc l'action s'arrête là. Ah, il y a un bon pressing. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Wirtz. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque.
Matteo Guendouzi. Oui, il faut frapper maintenant. Et voilà, c'est donc la mi-temps de ce match au Stade Vélodrome. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Et bien taclé pour récupérer la possession. Oh, la faute et du coup, un coup franc très dangereux à venir. Ah, il s'était bien tenté ce coup franc, mais le gardien a parfaitement suivi la trajectoire. Bon ballon en profondeur. Et hors-jeu là, signalé sur cette passe en profondeur, dommage. La musique n'avait pas commencé, il avait déjà commencé à danser. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Romelu Lukaku. Et ça joue sur Diogo Jota. Très bon geste défensif, c'était risqué. Eric Garcia. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et bien donné en profondeur. Florian Wirtz avec le ballon. Bonne intervention, la passe est interceptée. Wirtz reçoit le ballon. En très bonne position, frappe contrée, le danger est toujours présent. Il y a un coup de sifflet. C'est... hors-jeu du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Mkhitaryan à le hors-jeu limite, mais c'est signalé. Les 20 dernières minutes de la rencontre. L'action se poursuit dans le camp adverse. Allez, il faut la tenter. Et la parade, dingue. Quel arrêt. Quelle présence, surtout quel réflexe. À bout portant, c'est exceptionnel. Oh, le sauvetage miraculeux. Ah, il prend sa chance de loin. Oh, incroyable. Quelle frappe, quelle trajectoire hallucinante. Ce but te rappelle Roberto Carlos dans les années 90. Il t'émettait des frappes venues d'ailleurs. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Diogo Jota. Il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Et les Marseillais qui peuvent avancer dans le couloir. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Et la faute et un coup franc en faveur de l'Inter. Barella. Hakan Çalhanoğlu. Nicolò Barella. Ballon pour Diogo Jota. Diogo Jota avec le ballon. Le ballon de Çalhanoğlu. La frappe pour le but peut-être. Et le ballon est renvoyé, attention. Oh, finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi. Et c'est la sanction. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Oh, ça peut aller au but. Le lob.
Oh oui, c'est bien fait. Ce petit ballon piqué, quelle finesse, quel toucher, quel talent. Le ballon qui s'envole en profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. Et à la fin, quelle classe! La vista! Et puis cette petite touche tout en douceur au-dessus du gardien. C'est magnifique. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match retour. C'est fait. Qualification. Et donc, rendez-vous au tour suivant. Sur l'ensemble des deux matchs, il n'y a aucun doute sur la supériorité de cette équipe. C'est effectivement l'équipe la plus ambitieuse qui s'est qualifiée pour le tour suivant. Le score final en est la preuve éclatante. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Wirtz. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie. Oh, le sauvetage miraculeux. Ah, il prend sa chance de loin. Oh, incroyable! Quelle frappe! Quelle trajectoire hallucinante! Oh, ça peut aller au but. Le lob. Oh oui, c'est bien fait. Ce petit ballon piqué. Quelle finesse, quel toucher, quel talent.